de la génération forcément qui a grandi avec les jeux vidéo. Mon rapport à moi, il est simple, c'est un média culturel qui peut être aussi bien mis en valeur que le cinéma, que la musique, beaucoup d'autres médias culturels. Donc je l'utilise comme je le fais pour un concert, c'est-à-dire j'ai besoin parfois de m'évader, de me stimuler, j'ai besoin, voilà, le jeu vidéo, c'est ça aussi, quoi. Ben, il y avait très peu d'enquêtes. Bon, déjà, je vais pour ne pas citer Famille de France, qui pendant des années a affublé le jeu vidéo de satanistes, de gens violents, enfin voilà, complètement à côté de la société. Il fallait qu'il y ait quand même une forme de neutralité dans cette forme d'analyse de l'objet, en tout cas du média. Parce que si on écoute PlayStation, les gens de Sega ou même le syndicat des jeux vidéo, ils font tous des enquêtes, mais elles sont pas du tout. Il y a un parti pris, forcément. Et il y a un parti pris très de marketing et commercial. On a utilisé les outils de la recherche, mais tout le travail d'hypothèses, de commentaires a été fait par des citoyens, et en l'occurrence issus de l'association ICAR et des écoliers. Les détracteurs diraient « ouais mais là, ils sont dans un monde virtuel, ce n'est pas la réalité, ils seront complètement déconnectés, ils perdront tout le sens social, ce sera désocialisant ». On pourrait dire plein de choses comme ça. Or, aujourd'hui, je le dis avec des pincettes, il y a des comportements désocialisants par le jeu vidéo, mais il peut être aussi assimilé aux joints, par exemple, ou à l'alcool, ou à des conduites à risque. Donc ça ne veut rien dire, il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Le problème du jeu vidéo, c'est qu'on l'a toujours apparenté à un jouet. On a beaucoup fait le raccourci entre jeu vidéo et jouet, ce qu'il ne faudrait plus faire. Parce que l'erreur, justement, c'est les vendeurs, les développeurs et les vendeurs qui font du marketing, je ne te l'apprends pas, sur les catalogues genrés, on est d'accord? Puisque tant que le jeu vidéo fait partie du jouet, on continuera à vendre pour les filles des choses spécifiquement stéréotypées, justement, du rose, faire dompter, s'occuper de l'intérieur, ranger, voilà, ce côté altruiste qu'on est censé, soi-disant, que les femmes doivent avoir dans notre société. Et pour les hommes, des jeux beaucoup plus conquérants, prise de risque, scientifique, ingénieur, enfin, voilà. Est-ce qu'on n'a pas éduqué, élevé des petits garçons dès la maternelle, télévision, l'éducation nationale. Peut-être que déjà, ils ont été construits sur ce schéma-là. Et donc, du coup, le rapport qu'ils ont avec les filles ou les femmes dans le jeu vidéo ne fait juste... voilà, c'est pas le jeu vidéo qui est déclencheur. C'est qu'à un moment donné, on a accompagné ces jeunes déjà sur l'idée qu'une femme était moins forte, que de toute façon, elle servait à rien et que sa seule place, c'était ou à la maison ou à élever les enfants. On a une génération de petits abrutis testostéronés, là, qui ont l'impression que, de toute façon, c'est leur monde... et qui n'appartient à personne d'autre qu'au mec. C'est tout simplement ça. Maintenant, c'est ce que tu soulignes tout à l'heure, chez les indépendants, les jeux indépendants, il y a de plus en plus de cette distance, justement, où le stéréotype ne vient pas sur le gameplay, par exemple. Il y a le dernier Child of Light, enfin le dernier qui a 2-3 ans maintenant, mais qui est une petite princesse justement, alors avec sa petite robe, hein, bien sûr, toute jolie, avec son joli diadème, mais elle a une énorme épée. Et d'ailleurs, elle décide elle-même de se sortir du pétrin, quoi. Elle n'attend pas qu'un prince charmant ou potentiel vienne la sortir, elle se démerde toute seule. Les filles ne partent pas dans les réseaux, j'allais dire, d'écoles, de scientifiques, de développeurs, d'éditeurs. Elles sont encore rares. Parce que l'orientation que les enseignants, que les parents, en termes de contrôle social, leur indiquent, c'est de dire, non mais, tu fais lettres, tu fais les beaux-arts, à la limite, et éventuellement, tu passes un bac normal, mais... toi, là, aujourd'hui, dans le web designing ou dans la création de jeux vidéo, c'est pas possible. Donc, il y a encore un problème, c'est pas le jeu vidéo, c'est l'économie. L'économie et le monde professionnel de ces développeurs est encore dominé par les hommes. Et des gens hyper conservateurs, rétrogrades, voilà. Il faut laisser la place, que ce soit la jeunesse, filles, garçons, toutes les communautés ou les minorités, enfin voilà. tout le monde doit s'exprimer sur ces médias-là. La prise de risque, elle n'y est pas, parce que tant que l'argent est roi, et tant qu'il deviendra lui commandé, surtout sur le mass-média, le plus consommé au monde aujourd'hui, il y a trop d'enjeux économiques sur cette histoire. Donc du coup, les gens ne prendront pas de risques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il existe de plus en plus d'indépendants. Parce que les indépendants disent non mais les jeux, cette façon de faire du jeu vidéo ne me représente pas en tant que gamer. Comme le cinéma indépendant aujourd'hui, ou comme plein de choses. Aujourd'hui, Ken Loach ou Dolan ou autres disent non mais ce cinéma là du Brad Pitt, de machin là, qui sont... Enfin, le cinéma, enfin, tout très blockbuster, là, cela ne me représente pas dans mon expression, dans mon humanité, et tout ça. Eh bien, c'est aujourd'hui ce que les développeurs de jeux indépendants doivent mettre en place. C'est eux qui vont faire changer les choses. Ce ne sont pas les grandes licences, là, les grosses licences de jeux vidéo qui feront bouger les lignes. Il y a des exemples plutôt concrets de psy qui ont utilisé certains jeux indépendants, type Ico, pour les enfants qui sont sur des troubles autistiques par exemple, mais, ou l'armée d'ailleurs, qui est utilisée aussi pour les notions de réflexe, de vision du champ, enfin voilà. C'est utiliser le jeu vidéo, mais c'est hyper... enfin je veux dire, il y a 2-3 exemples. Aujourd'hui, on est encore dans l'expectative et encore dans l'observation. Il y a un jeu qui est extraordinaire de 14-18 qui est Soldats Inconnus, il devrait être au programme au lycée. C'est-à-dire que chaque lycéen devrait jouer à Soldats Inconnus et dans des séances de groupe. C'est un jeu qui parle justement de cette période de la guerre, mais vraiment, il est vraiment extraordinaire. Anna, la plus intrépide des infirmières du front ouest, sauvant des centaines de vies avec comme seule arme ton courage. Donc voilà, il y a plein de ces jeux-là qui existent, mais qui sont de plus en plus repris, puisqu'ils sont par exemple sur les plateformes sur Xbox, donc vous pouvez maintenant l'acheter. Donc qu'est-ce qui est de la part de la récupération et qu'est-ce qui est de la part encore de l'indépendant. Donc là, il faut se méfier. L'étude, elle permet juste de se dire aux parents, souvent aux parents, attention, vous faites rentrer ce média dans vos foyers, soyez attentifs au contenu. Moi, j'ai des exemples concrets. J'ai eu un jour dans une conférence, il y a une maman qui vient me dire... et donc elle me parle de l'écologie, enfin, je n'avais pas tout compris sur sa posture, que le monde, la décroissance, donc elle mangeait du bio, et donc elle faisait en sorte que ses enfants mangent du bio, et je lui ai posé la question, à quoi jouent vos enfants? Ok, votre enfant dans la cuisine, sur l'espace cuisine, vous parlez tous ensemble, il n'y a pas de télé, vous mangez du bio, ok. Ah mais après il va dans sa chambre et il joue à Call of Duty, donc il y a un FPS, donc il y a un jeu très militarisé, où on fait une médiation dans le monde à coup de AK-47 pour faire court quoi. Et donc je comprenais pas, c'est-à-dire que d'un côté elle avait un discours très bienveillant vis-à-vis de ses enfants et de cette agressivité du monde qui l'entourait, et de l'autre côté elle laissait son gamin rentrer dans la piole et pouvoir dégommer la moitié de la planète à coup de AK-47. Ça c'est un problème, c'est-à-dire que si on veut continuer à aborder ces questions-là d'éthique, de valeur dans le jeu vidéo, les parents par exemple, les adultes doivent être conscients des valeurs et des messages véhiculés dans le jeu vidéo. Et ça pose un vrai souci. Comme la gamine où la maman dit non mais ma fille, je sais pas moi, un discours plutôt libérateur, émancipateur pour elle, en disant non mais ma fille tu vas faire science, et puis elle rentre à la petite dans sa piole ou alors dans sa tablette, et puis elle est juste en train de jouer aux Sims par exemple, puisqu'il faut qu'elle range à l'intérieur, qu'elle ait une vie sociale super, voilà. Ça c'est paradoxal et c'est contradictoire. Donc du coup, amenons aussi les adultes à analyser les valeurs véhiculées par les jeux vidéo, comme on le ferait pour le cinéma. Analysons cet objet, mais jouons aussi, expérimentons-le, et vous verrez qu'il apporte des éléments qui peuvent être contradictoires, et puis des éléments beaucoup très productifs et éducatifs.